Faites attention, ok les gars? Toi en particulier, Summers. Compris. Allez les gars. Psst. Pierce. Summers. Ce qu'il dit n'a aucun sens. Mais il y croit dur comme fer. L'hôpital dans lequel il était. Il est joaillier, vieux. Sérieux? Summers, t'as vraiment une sale gueule. Ça va? Me sens mieux que j'en ai l'air. On n'aurait pas dû te laisser. Mais ça n'est pas. T'inquiète, mec. Les choses vont s'arranger, ça va aller. Il ne se relèvera plus. Il est mort, Fred. J'y vais.
Les gens vont payer. Merci, mon Dieu. Vous êtes de la garde de la Tina. Ah, oh, merde. Elle est morte. C'est quoi? Vers nous. Ouais, et ça va pas rigoler. Arme prête. Je riposte. On a vu ça en Irak. On dirait que ça nous a suivis. Butez-moi ces saletés! Bon boulot! Ennemis en vue! Je les ai eus. Qu'on continue, Pierce. Plus un geste ou je tire. C'est bon, on est là pour vous aider. C'est ça, ouais. Ouais, ils nous ont dit d'évacuer, mais hé, hey, j'en ai jusque là avec mon hypothèque du terrain. Pas question que je parte. Monsieur, descendez! C'est bon, j'ai une arme! Là. C'est bon, Somers. Voilà, quand on sera revenu à la base, il faudra que les Toubibs t'examinent.
Noah Wise, c'est la seule toubib qu'il me faut. Il y a plein de bons toubibs dans l'armée. Baisse d'un ton, Andrews. Ça grouille de soldats ici. Il a ses troupes partout en ville. Qui ça? Leur chef. Leur général, je sais pas. Chut. Restaurant au centre-ville. 14 personnes sont mortes, dont 2 enfants. 4 victimes restent encore en état critique. Pourquoi les trucs les plus zarbi arrivent dans les petites villes? Je suis sorti de la région. Pierce, vous pensez qu'on récolte ce...
Pourquoi les trucs les plus zarbis arrivent dans les petites villes? Ils pensent pas partir en guerre, quand même. Ils sont combien? Quelques centaines? Bien reçu. Attention, les gars! Connard de kamikaze! C'est la fête aux bouseux, ouais! Tu l'as eu! Tu l'as eu, Pierre. J'y vais. Mon Dieu. Qu'est-ce qu'ils font avec tous ces gens? Tu verras. Attends un peu. T'as fini ton cinéma, toi? C'est des conneries, ton histoire. Ça m'a sauvé! Wouah! Encore des verres! C'est ça, un verre, quoi. J'ai rien trouvé de mieux, mec! Charge!
Putain, ces saletés de revenants, on n'arrête jamais. Mais qu'est-ce qu'ils foutent avec tous ces camions? Aigle, ici Echo 3. Demandons hélicoptère de transport à Rachel. Jouer, Pierce. Beau boulot! Regardez, ils embarquent des cadavres. Pourquoi? Je sais pas. Quel délire! Tu crois qu'on a connu certains de ces types? Ils pensent pas, Ambrose. Ils sont passés à autre chose. Plus facile à dire qu'à faire. On n'enfile pas un uniforme en pensant qu'on va finir à la morgue. Sacré tir, chef! Hé, regarde, Pierce. Ça me donne un peu faim, tu vois? Salut, Coco! Grayson, arrivé dans 5 minutes. Vous tenez bon? Ouais, ça va. On est au cinéma plein air. Ça me rappelle les rancards et les nanas. Si t'as besoin d'un gros câlin, t'as qu'à le dire, mec. Négatif, Grayson. T'es pas mon genre. Terminé. Si l'hélico n'arrive pas bientôt, on sera foutus! Je suis en position. Restez attentifs. Ils arrivent. Je les vois. Pierce, descends-les. Vers le centre. Arrêtez-les.
À droite! Sur la gauche! Summers! Ressaisis-toi! Qu'est-ce qui t'arrive? Ok, sur la gauche! À gauche! Unité Echo, ici l'hélicoptère. Nous sommes à une minute. Préparez-vous à l'évacuation. Terminé. C'est pas notre hélico! Ce XM-8 peut pénétrer les vides du cockpit de l'hélico. Fais les morfler, Pierce! Tu l'as eu! Tu l'as eu! Unité Echo, ici Grayson. On est en approche. Allez, pilote, à toi de jouer. L'hélico est là. Unité Echo, ici Zulu 2-4. Prêt pour l'extraction. Terminé. À monter, tu es trippé. Le colonel Green va vous étriper, oui. J'aimerais pas être à votre place. Vous vous êtes éclaté, on dirait. J'ai raté la fête. Bon, accrochez-vous, ce type vient de passer son brevet de pilote. Vous pouvez toujours prendre ma place.